Jusqu'ici, la prolifération des sangliers n'était qu'une éventualité redoutée par les agriculteurs. Pour Frédéric Labatute, c'est déjà une réalité. Voilà donc des dégâts de sangliers de cette nuit. Les sangliers à la recherche de nourriture font des dégâts considérables dans les cultures. Ils viennent chercher les vers, donc avec le groin, ils défoncent tout et puis ils arrachent tous les pieds de colza. Et donc tous les pieds de colza vont crever, il n'y aura plus aucune récolte là. Et le pire est peut-être à venir pour ce céréalier installé dans les Landes depuis 30 ans, car s'ouvre bientôt la période des semis, attirant un peu plus les animaux dans les cultures. Moi, c'est du colza bio en plus qui va partir pour faire des bouteilles d'huile. Si ça continue, on va faire tout ce qu'on peut, mais il va y avoir un énorme manque à gagner. Près de 20% des sangliers tués dans l'année sont normalement chassés au mois de mars dans les Landes. Or, toutes les battues sont interdites depuis le début du confinement. Seule dérogation autorisée par la préfecture, les pièges ou les tirs individuels. C'est quasiment insignifiant, c'est presque de l'ordre du psychologique. Un agriculteur qui va voir les sangliers, il a quand même cette possibilité de pouvoir intervenir. Mais soyons clairs, ça ne rattrapera pas les 2500, 3000 sangliers qui sont prélevés d'habitude au mois de mars. Et se posera bientôt la question de l'indemnisation des agriculteurs suite à ces dégâts. Les fédérations de chasseurs annoncent déjà qu'elles ne pourront pas prendre en charge ces compensations.